Salut les gens. Donc, alors là, je suis toujours chez Heidelberg Cement Group, où ils viennent de me charger un réservoir de 11 tonnes qu'il faut que j'emmène à Metz. Alors c'est vraiment un coup de bol que, ben, que dans la carrière il y ait une cargaison. Il y a des jours comme ça, hein, où la chance est avec nous et où tout se passe bien dans l'ensemble. Ça y coupe les pattes au ch'ti pépère et à mon gros bébé, pardon, pas à mon ch'ti pépère, à mon gros bébé. Et en plus, il a plu tout à l'heure, donc c'est légèrement gras. Donc ça y a tendance à patiner un brin quand même. Je vais me remettre d'extérieur, hein, pour profiter du magnifique paysage. Que c'est tellement joli. Apparemment, mon petit GPS a envie d'aller se promener parce que il me refait passer en Belgique. Virage à gauche imminent. Puis
tournez à gauche. Ensuite, il me fait prendre la direction... du Luxembourg. D'ailleurs, nous allons passer le contraire m'aurait étonné. Donc, je disais donc... mon brave petit GPS me refait passer en Belgique. Ensuite, nous allons prendre la direction du Luxembourg et passer dans la ville de Luxembourg même. Par laquelle je vais faire un petit détour d'une pour découvrir deux points d'interrogation. Donc voilà, nous arrivons en Belgique. Donc découvrir deux points d'interrogation et on va dire faire un peu de tourisme. Histoire de voir à quoi ressemble la ville de Luxembourg. Bah, grosso modo, hein, on va pas faire toutes les rues non plus. Hein. Arriver de bonne heure encore. Virage à droite imminent. Mais il n'y a pas à tortiller. Il faut que je roule. Tournez à droite. Bon, on va prendre large, hein, parce que vu qu'on a vu tout à l'heure que c'était pas large. Parce qu'elle est vraiment étroite, leur bretelle, là. Hein. À mon avis, c'était ou un intérimaire ingénieur, ou un apprenti, ou un stagiaire, mais... Le gars, il connaissait pas trop les dimensions des camions, quoi. Faudrait pas se pointer là avec un convoi exceptionnel.
grand air de repos. C'est joli par ici. J'aime bien dès lors que c'est un petit peu vallonné, dès lors que... J'aime tout de suite ce genre de paysage. On va se mettre en veilleuse parce qu'il commence à être tard. Alors donc là, voilà, nous arrivons au Luxembourg. Désolé avec votre autobus. Voilà, nous sommes au Luxembourg. Donc nous allons faire un petit détour par la ville de Luxembourg. Prenez la sortie à gauche. T'as fini de clignoter, oui. En plus, tu clignotais pas du bon côté, mon gros bébé, là. Mon gros bébé. Il y a deux points d'interrogation, donc. Alors, Luxembourg découverte. Oui, vu qu'il y a deux points d'interrogation, du coup, nous allons découvrir une nouvelle agence de recrutement, ce qui va m'arranger. Et puis très certainement un concessionnaire. Allez, roule avec ta caisse, là. Virage à droite imminent. Tournez à droite. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va nous faire arriver à Metz de nuit. Ben, on le verra demain de jour, hein, c'est pas grave. Hein, Ben, il me fait quoi avec sa voiture, là, tout le temps s'arrêter pour un oui, pour un non? Ah, concessionnaire. Virage à droite imminent. Concessionnaire Volvo découvert. Ça doit être le premier concessionnaire Volvo. Ah ben non, j'en ai découvert un déjà à Limoges. Je suis bête. Ben oui, j'en ai trouvé un à Limoges.
Donc alors, petit coup d'œil, il y a le pan, la pancarte et pas de bol. Tournez à droite. Voilà, faut tomber sur un nœud qui s'arrête au feu vert, et ben voilà. Comme ça, on a deux fois le feu au rouge. Bon, ça permet de jeter un coup d'œil, mais bon, là il y a un arbre. Vous avez découvert une agence de recrutement impeccable. Faites le tour du rond-point, deuxième sortie. Comme ça, avec un petit peu de chance, je vais trouver un nouveau collaborateur. Prenez la sortie. Allez! Mais ils sont bêtes, les IA. Il y en a un qui passe au vert, l'autre qui passe au rouge. Forcément, ça peut pas faire, hein, les gars. Il va vraiment être grand temps que SES Software... Tenez la gauche, puis allez tout droit. Il va vraiment être grand temps que SS Software... Allez tout droit. Je vais faire des conneries. Que SS Software, il se décide à travailler les IA, parce que là... T'as les mecs qui s'arrêtent au feu vert. Ils repartent au feu rouge. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon ben voilà mes enfants, on va rouler de nuit. Ça, je vois que j'ai enlevé des loupiottes sur mon camion. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ah, là, on doit retourner au niveau de la frontière française. Oui, voilà, nous sommes à nouveau en France. Oui, donc je disais, ça se voit que j'ai enlevé des loupiottes sur mon camion, parce qu'apparemment, ça a l'air de moins ramer. J'arrêterai demain pour faire le plein de gasoil parce que je sais pas encore où je vais couper et s'arrêter sur un parking quelconque avec les réservoirs pleins, bah c'est un coup à se faire siphonner du gasoil ça. Je verrai ça demain. De toute façon, là, j'ai de quoi. Il reste quoi? Pas grand-chose. ...31 km. Bon, bah, y a largement de quoi faire.
le gasoil. Je verrai ça demain matin avant de partir. Ben voilà, nous arrivons sur Metz, mes enfants. Metz. Découverte à gauche. 13 sur 37. Tournez à gauche. Tricolore de m'agresser. Ah bah ça va, là il y a le garage pour venir couper. Bon bah c'est impeccable bien ça. Impeccable bien. Il n'y aura pas trop loin à aller. On va pouvoir venir couper ici. Virage à droite imminent. Voilà, nous arrivons donc chez le client FedEx. Tournez à droite. On est presque arrivé, on va faire attention pour pas faire de conneries. Tournez à gauche. Tournez à gauche, c'est ici. Vous êtes arrivé. Merci, ma Christine. Bah oui, à chaque fois je lui dis merci, hein, elle travaille bien. Alors, bon, elle nous a un petit peu promené à nouveau en Belgique, puis au Luxembourg. Mais bon, ça restait quand même le chemin le plus court. Bon, alors où c'est qu'il va falloir mettre la remorque pour qu'il me décharge? Il faut que je me mette là, donc il faut que je fasse un grand demi-tour, d'accord. Vous avez découvert une agence... Ah ouais. Ah bah c'est cool ça, j'ai découvert une agence de recrutement sans le vouloir. Alors que je suis dans une entreprise. Ah ouais.
Ah ouais, mais là je vais être à contre-main là. Et j'aime pas ça. Va falloir que je voie à remettre. Davantage de feux de recul ou des phares additionnels qui se branchent avec la marche arrière. Parce que la nuit, c'est pas top quoi. Juste des feux de recul de la remorque, c'est pas top. Parce que c'est vrai que dans les entreprises, dans certaines entreprises, ben ils sont un peu radins sur les éclairages quand même. Voilà. Non, on va attendre qu'ils viennent décharger le petit réservoir qui va bien. Alors, 208 km, 6h03, mais c'est normal puisqu'on a fait un détour par Luxembourg. Et j'ai consommé que 85 litres de gasoil. Bon, ça va, on va dire, allez, 86 litres, on va arrondir. Et donc j'ai empoché un petit chèque de 8896 euros. Et ben c'est parfait ça. J'espère que j'ai pas... une bourde avec la pause. Parce que sinon la vidéo va se terminer en queue de poisson. Comme on dit. Alors, donc, pour aller au garage, il fallait... là, il faut que je retourne à droite. Puis à gauche. Et on arrive au garage. En plus, le centre de Metz est vachement joli. Avec la cathédrale. Donc, nous irons voir ça demain. Et comment on le peut.
Ah, il est clignotant à cette heure. D'accord. Par là, il n'y a personne. Il y a une voiture qui arrive. Ah, vous me laissez. Ah, bah oui, priorité à droite. Le feu, il est à l'orange. Le feu, il est à l'orange. Priorité à droite. Alors, où était le garage? Je ne sais plus. Oui, là, à droite. À gauche. Non, mais je confonds toujours ma droite et ma gauche. Hein. Ne m'en veuillez pas. Le pire, c'est que je le sais, quoi. Ah, je sais pas s'il va y avoir une place dans le fond, par contre. Je sais pas, non. Il va pas y avoir de place dans le fond. Bon, bah on va prendre la première place, hein. Pas grave, hein. Je pensais qu'il y avait une place dans le fond, mais non. Bon, bah, s'il n'y a pas de place dans le fond. Va se mettre le mieux possible quand même, parce que s'il y avait un collègue qui arrivait durant la nuit, bah oui, du coup je m'y suis mal pris parce que je pensais qu'il y avait une place dans le fond. Alors, voilà. Sur ce, mes braves gens, c'est sur cette petite image de fin que s'achève cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu. Pensez surtout à vous abonner. Et puis, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour que ma petite mini micro-chaîne prenne un petit peu d'ampleur. Et puis ben voilà, moi en attendant je vous fais tout plein de gros bisous, surtout aux gens qui auront pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout.
prenez soin de vous, faites attention à vous. Je sais, je me répète, je le dis à chaque fois, mais on n'est jamais trop prudent. Je suis bien placé pour le savoir. Et puis, wali wali. En attendant, tout plein de gros bisous à tout le monde. Moi je vous dis à très très vite pour la suite de mes petites aventures. Allez, salut les gens!